Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur la page OM Flash News et sur la chaîne YouTube OM Flash News pour ce résumé d'actualité de l'actualité de l'OM de dimanche. Il existerait un accord entre Milik et Longoria. En effet, si l'OM ne se qualifierait pas en Ligue des Champions, Milik aurait un bon de sortie pour quitter l'OM. La Ligue des Champions de 2024 devrait compter 36 clubs, dont 4 clubs français, et le système serait un système de championnat. Selon Tuttosport, l'OM penserait à Bernardeschi pour remplacer Thauvin, et pourquoi pas un accord d'échange avec Milik, affaire à suivre. Selon Estadio, il y aurait une offre qui serait tombée de la part de Leicester pour Thauvin, un contrat de 4 ans pour un salaire de 3,5 millions annuels. Sur RMC, Eric Dimeco est toujours inquiet de la présence de Jacques-Henri Hérault au sein de l'Olympique de Marseille. Selon lui, il est toujours présent dans le non-sportif de l'OM. Selon Estadio, Mourinho penserait à Thauvin pour remplacer un éventuel départ de Lamela. Selon Sportune, Jorge Sampaoli gagne le plus gros salaire de sa carrière à l'Olympique de Marseille. Il a un salaire de 3,6 millions d'euros. Il gagne plus que dans les autres clubs où il était passé. Merci à tous d'avoir suivi ce JT. On vous donne rendez-vous demain.